Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la fin de la série Alligator Bay, donc tournée avec Sylvain de Onios Concept, donc Alligator Bay bien sûr. Donc on a été faire une petite visite juste après-midi, juste quelques heures, donc on a pu tourner un petit peu tout. Alors c'est un bon petit parc, mais même s'il se fait vite, c'est un bon petit parc. Il y a des animaux vraiment sympas et magnifiques. Les terrariums, c'est vrai, sont pas assez fournis en déco et tout, mais j'ai cru comprendre par Sylvain qu'ils étaient en train de faire des modifications, qu'ils déplaçaient des animaux, donc ça peut être une explication du fait que les décors ne soient pas encore faits totalement. Sinon, en termes de tortues, d'alligators et tout, ils sont vraiment, vraiment bien, et les animaux, on voit qu'ils sont quand même bien nourris. Il y avait un soigneur qui était dans les allées, donc c'était vraiment pas mal. Il passait aussi une petite vidéo dans une salle prévue pour. Non, il y avait des bons trucs. On pouvait approcher les tortues, donc notamment les centroquets, les sulcata. Ils avaient fait un petit enclos fermé, mais ils avaient retiré des barreaux pour que les sulcata puissent sortir et arriver donc dans un petit coin où des enfants pouvaient aller les voir directement. Il y avait de quoi manger et tout. Donc je vous ai filmé ça, vous avez dû le voir ça dans la ferme aux tortues. Donc non, c'est vraiment sympa. Les ailes d'Abrachelys gigantea, j'ai pu en toucher une aussi. Donc c'est une tortue qui me fait vraiment rêver, ma tortue de terre préférée. Donc j'ai pu en voir vraiment des belles et puis en même temps les toucher, donc c'était vraiment sympa. Bon, on peut pas monter dessus non plus, faut pas déconner, hein. Ça reste une tortue, ça reste un animal. Mais au moins voilà, pouvoir caresser un animal comme ça, toucher un animal comme ça, c'est pour quelqu'un qui est fan, c'est voilà. Après, même si la tortue ne ressent rien quand on la caresse, bien sûr, mais voilà, c'est par pur plaisir, on va dire. Mais plus tard, pourquoi pas essayer de tourner des vidéos plus précises sur cette espèce-là, ça pourrait être vraiment sympa. Donc le parc est vraiment assez petit, parce que bon, même s'il y a beaucoup d'animaux, en termes de superficie, c'est pas comme un parc zoologique. C'est un petit parc zoologique, on va dire. Mais pour faire un week-end, rien ne nous empêche de venir le samedi faire Alligator Bay, prendre un hôtel, et le dimanche, il y a le Mont Saint-Michel qui est juste à côté. Donc ça fait deux endroits pour visiter sur le même secteur. Donc c'est vraiment sympa. Ça peut faire un bon petit week-end en famille ou entre amis, hein, mais ça, vraiment ça vaut le coup. Après, ils ont une petite boutique de souvenirs aussi, donc la petite boutique de souvenirs leur permet également donc de faire vivre les animaux, donc ça peut, en plus des entrées bien sûr, donc c'est une bonne chose pour eux. Enfin, si on achète pour eux, enfin si on achète là-bas, ça peut aider des animaux qui sont sur place. Après, ils n'ont pas un but de reproduction intensif non plus derrière ou de revente d'animaux, machin. C'est de la préservation d'espèces. Ils ont leur petite association également qui est liée au niveau des reptiles. Une association assez âgée, on va dire. Donc voilà, donc ça peut valoir le coup de faire une petite balade. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé. Donc j'espère que cette visite vous aura plu. Donc là, avant de vous laisser avec la plaine des dragons, la plaine des dinosaures. On va y arriver. Avant de vous laisser avec la plaine des dinosaures, je vais annoncer quand même que le 1er janvier 2018, je vais faire un live sur les côtes de 19h, 19h30, histoire de bien démarrer l'année et de me lancer un peu dans l'aventure des lives. Hein, donc si vous voulez venir participer, poser des questions, machin, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Pour ce qui concerne les vidéos de la chaîne, vous en aurez d'autres qui vont arriver, donc que j'ai tourné en 2017, mais que j'ai pas eu le temps de publier pour faute d'obligations professionnelles. Donc elles sont quasiment montées pour certaines. Donc il y a des vidéos sur le salon Terrarionief de juin dernier, des présentations d'espèces encore avec Sylvain. Donc voilà, ça fait quelques petites vidéos, puis après bon bah pour 2018 on verra bien ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, donc bah je vous dis à la prochaine et peut-être au live du 1er janvier. Salut !